Lincoln Memorial s'est fait, Memorial Bridge aussi, Rock Creek, je sais pas ce que c'est, World War II Memorial, j'ai dû le faire. Et voilà. Alors on doit pouvoir y monter parce qu'il y a des fenêtres là-haut. Et moi j'ai l'impression qu'il y a des fenêtres, puis j'ai l'impression qu'il y a des gens en bas avec un ascenseur, je sais pas, je peux me tromper. Et puis bah, alors après là on a les grands bassins, on a tout ce qui est aussi. La Maison Blanche doit être là-bas derrière. On doit être là-bas. On va aller voir ça, de toute façon on va aller voir la Maison Blanche. Hein. Mais bon, on va prendre une photo souvenir de ça. On va passer devant. Voir si effectivement on peut monter dessus. J'irai pas, j'ai pas besoin de voir la vue de Washington depuis là-haut. La montée avait l'air d'être possible là-dedans, mais c'est fermé pour réparation. Il y a un panneau qui marque ça, la petite guitoune, là il y a une petite guitoune. Information center, je sais pas quoi, et c'est marqué Closed for Reparation. C'est pas marqué comme ça, mais ça veut dire ça. Donc moi je vais à la Maison Blanche. Dans l'ombre de ce gros bâtiment. Ça je sais pas ce que c'est, ça pourrait être un truc. Il n'est pas répertorié ni sur Google ni sur les plans. Des Indiens. On va passer devant les tipis des Indiens. À côté de l'obélisque. Pompier. Tipi. Une réunion quelconque, je ne sais pas de quoi. C'est marqué Nation Native USA. Faire une démonstration, se plaindre de leur. Je ne sais pas. Mais au moins, j'ai vu des tipis. Les tipis, le monument de Washington. Et là, The White House, la Maison Blanche, avec Trump, qui a remplacé Obama en début d'année. Je sais pas ce que c'est comme monument ça. En face, toujours les tipis et le monument Washington. Et après, donc, on va se diriger vers la Maison Blanche.